Je ne verrai plus jamais la Corée du même œil. Ah, ça. Maintenant que j'y ai mis les pieds. Maintenant, vous pouvez dire, tu sais, quand vous allez en France, et les gens, ils parlent. Ouais, mais c'est la Corée, fait. Attendez, là. Non, mieux que ça. Quand les gens parleront de tous les pays dans lesquels ils vont. Ouais. Tu sais, en France, ça tourne en rond. Dubaï. Marrakech. Ils sont là. Moi, je suis parti dans le pays du matin calme. Il y en a qui disent. Pourquoi du matin? Ah, c'est comme ça, ça veut dire ça. Le pays du matin calme, ouais. Le pays du matin calme. Le pays du matin calme? Ouais, vous savez pas? Non. Le Japon, c'est le pays du soleil. Dans mes destinations, là, j'ai quand même beaucoup aimé la Corée. Corée? Ne dis pas de bêtises, mon ami. Je te parle du pays du matin calme. Voilà, voilà. C'est Pujim Zengyo, c'est le pays. Ah, c'est Pujim Zengyo. Avant, tu sais, c'était le rêve américain. Ouais. Maintenant, tu sais, c'est vraiment le rêve coréen. Non, quand les gens, tu dis oui, je pars. Vraiment, la première fois que je suis partie, c'est la première fois que je me suis sentie chez moi. En fait, tu sais, le premier feeling que j'ai eu quand je suis partie à New York. Ouais. J'ai fait, c'est là que je veux vivre, c'est là que. Eh ben, ça m'a. J'ai jamais eu ça depuis New York. Et quand je suis venue en 2018, c'est la première fois que ça me l'avait fait, depuis New York. Ouais.